Bienvenue dans la mini-NES de l'Avent. Aujourd'hui, Docteur Mario. Docteur Mario! Bon, on est face à un jeu de puzzle, il va pas avoir grand chose à dire. Donc, Virus Level, on va mettre à zéro, on va mettre l'eau. Fever ou Chill? Allez, Chill. Donc, c'est Docteur Mario. Il faut que les couleurs correspondent. Voilà. Boum, j'ai éliminé un virus jaune. Et donc voilà, il faut éliminer les virus en faisant correspondre les couleurs. Il faut qu'il y ait trois couleurs identiques, je pense. De la même et de la même que le virus pour qu'il s'en aille. Boum, regardez-moi ce combo. Attendez, je vais faire un super combo, j'en suis sûr. Hop, voilà. On s'en fout. Boum, comme ça. Attention. Boum. Et le rouge tombe sur le rouge. Et puis j'ai plus qu'à faire ça. Et hop. Voilà. Niveau fini. C'est génial. Donc voilà, donc Docteur Mario c'est divisé en stages, donc genre c'est un peu plus une structure un peu plus concrète qu'un truc comme Tetris par exemple, où c'est vraiment juste va le plus vite possible. Il y a des niveaux dans Tetris, mais c'est plus des niveaux de vitesse. Là il y a un objectif, on va dire, relativement concret. Ouais, voilà, c'est Docteur Mario. Voilà. Rien de. C'est. Le jeu est comme ça depuis les années. Depuis les années 80, enfin, ou 90, je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais je n'ai plus besoin de jaune. Les jaunes, c'est fini. Il n'y a plus de jaune. Voilà. Évidemment, on peut augmenter la vitesse. Plus on augmente dans les niveaux, plus il y a de virus à éliminer. Mais jamais joué beaucoup à Docteur Mario pour être franc. J'ai plus joué à Bactéricide dans le programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima que Dr Mario. Là, les jaunes, vous êtes vraiment chiants là. Hein. Mais ouais, ben, c'est cool, Docteur Mario. Pas mon puzzle game préféré. Le truc avec les jeux de puzzle comme ça, c'est. Bon, c'est. Soit vous aimez, soit vous aimez pas. Y a pas vraiment d'entre-deux. Et c'est le genre de truc où vous pouvez y passer des heures si vous aimez, mais pour la plupart des gens, ben, en mode ouais, 5 minutes c'est marrant. Et puis. Bon, je passe à autre chose. Je peux aller jouer à Super Mario Bros. 3, s'il vous plaît, quoi. C'est pour ça que c'est un peu difficile de tenir 5 minutes parce que. Enfin, c'est la première fois que je joue à Docteur Mario sur NES, quoi, en dehors de NES Remix sur Wii U. Mais. Mais ouais, enfin, voilà, c'est cool. Le meilleur jeu de puzzle, tout le monde sait de toute façon que c'est Picross, donc voilà. Hop là, comme ça. Est-ce que ça marche comme ça pour l'éliminer? Non. Hop, je peux éliminer celui-là. Ok. Voilà, plus de rouge. Maintenant, le rouge, ça sert à rien. Arrête de me donner du rouge. Et évidemment, il me donne du rouge. C'est pas grave. Tout était prévu depuis le début. Je vais faire semblant que c'est tout à fait normal. C'est sympa de donner le choix entre deux musiques, c'est
La soundtrack est aussi grande que celle de Ice Climber. Voilà, donc c'était c'est soit celle-là, soit Fever qui est. Bon, jaune! Par pitié! Mario! Oui, exactement, du jaune, bien! Oui, parce qu'évidemment, il y a du score, je suppose, si on fait nos combos, mais je m'en fiche, moi je veux éliminer les virus. Voilà! Tadam! Bon, voilà, c'était Docteur Mario. C'est, voilà, je ne sais pas quoi dire plus, voilà. Apparemment, quand on fait pause, on n'a pas le droit de voir l'écran du jeu. Je ne sais pas si c'est pour tricher ou pas, ou pour essayer de. Ouais, on pourrait essayer d'établir une stratégie ou mettre les vitamines en faisant pause si on avait encore le jeu visible. Donc, ouais, ok, je peux comprendre pourquoi c'est fait comme ça. Mais en tout cas, je vais m'arrêter ici. Voilà, c'est Docteur Mario. Je ne peux pas en dire grand-chose. Mais si vous rencontrez un jeu Docteur Mario un jour, genre essayez-le. Si ça se trouve, ça sera le déclic pour vous et ce sera votre puzzle game préféré. C'est toujours comme ça les puzzle games, il faut le déclic. Mais peut-être que ce n'est pas votre genre de jeu et que, par exemple, vous trouverez celui de demain plus intéressant. Donc à demain.